Oh non, on est prisonnier. Oh mince alors. Ah, il nous pleut dessus là. Eh hey, Diane, tu as encore ta lime à ongles super secret. Ah, je dois avoir ça quelque part, attendez, je me baisse. Ah bah, je peux pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Y'a du vent dans mon cul. Je sais pourquoi, Axel. C'est Miguel qui fait du vent dans ton cul, Axel. Attention. Oh, il y a des yeux blancs, c'est un méchant. Relâchez-nous. Sacrifiez le chef en premier. Libérez-nous. Sacrifiez le chef en premier. Je vous félicite pour avoir tué... éliminé un vaisseau... ennemi... du rat. Mais vous êtes qui en fait? Moi je suis le dieu Baal. Et on m'appelle Seigneur. Ah, vous êtes un dieu? Ok. Donc par contre, il y en a quelques-uns d'entre vous, peut-être un, il y a peut-être des informations à me donner. Vous m'entendez bien? J'aimerais bien savoir qui d'entre vous a des informations et a téléchargé. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, on se fait attaquer. J'arrive. Hey, détache-nous. Détache-nous. Viens nous détacher. Détachez-nous. C'est qui votre chef ici? C'est moi, détachez-nous. Non, ne détachez pas. Détachez-moi. Comment ça, Major? Vous êtes qui? On se connaît. Oui, je m'appelle Toulak, on se connaît pas du tout, mais je suis un ami à Bratak, je pense que vous connaissez. Vous me raconterez vos trucs, putain. Détachez-moi. Allez, allez, détachez les autres. Allez, 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 hop, allez, hop, allez. On libère tout le monde, allez. Il faut qu'on rejoigne la porte des étoiles. Je vais pouvoir vous emmener sur... Josh Toulak. Sur Shtulak? Ouais. Ils ont totalement bloqué la porte des étoiles, vous pourrez pas aller sur Terre, ils ont tout falsifié au niveau des entrées. D'accord. On va sortir du vaisseau là, par un labyrinthe. Et vous pouvez nous guider? On va rejoindre la porte. Bah guidez-nous alors. Raconte. Allez, j'ai 10 avec moi. Le guide va mourir s'il passe devant. Hein. Oui, mais c'est un guide, c'est son rôle. C'est le guide. Putain, on est... Tu fais guide. C'est fini, hein. Je suis sur la gauche. Faites gaffe, c'est sûrement des ennemis au fond. Faut pas qu'ils me voient pour l'instant. Restez. Jadis, restez un peu en arrière le temps que... Jadis, restez en arrière. Tout mon groupe, restez en arrière, Jadis. Ah, de 10 pour 8 et 7, on vous laisse passer devant. Allez, on y va, on avance à G10 avec mon avance. Non, non, on va là-bas, on continue. Je vous soignerai après. À G10, vous restez toutes les positions ici, dans la salle où on est. Continuez d'avancer, hein, 8 et 7, on est derrière. On y va, G10, on pousse, c'est parti, go. Dans la brèche. Ah bah. Évidemment. Ah, je suis de retour. Je suis de retour. Merci Lyon. C'est quoi la situation? Ouh. Ah, derrière nous. Derrière nous, derrière nous. Derrière nous, derrière. Meurs, saloperie. Meurs. Derrière nous, il y a un mec. Tu as eu l'IPA? Tu as tué? Il est mort? Ouais. Putain, il lui faut au moins 10 balles de 9000. C'est bon, il est mort. Restez pas paquet, les gars, on a déjà perdu pas mal de mecs. C'est moi, c'est... quelqu'un en armure. Oh, ok. En face, attention. Là, il faut pousser. Oh putain, on a encore perdu. Dipra, va en couverture sur la porte à droite.
Putain, mais on perd tout le monde. Il est mort, il est mort. Il prend en couverture sur la porte à droite, la première à droite. C'est cool. Attention! Oh, il y avait aussi une grenade! Il y avait aussi une grenade! Grenade, 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 grenade! Voilà, voilà. Il y a une grenade derrière, il y a un mec derrière nous, il y a un mec derrière nous. Il est traité, il est traité, il est traité. Mané, mané, viens, viens, viens. Allez, on décroche, c'est parti. On décroche, allez, allez, on passe, on passe, on. Ah, moi, Jeff est mort, c'est pas grave, bon, on y va. On avance. Allez, continuez d'avancer au fur et à mesure, bam, y'en a un qui tape l'autre et c'est parti, vous avancez, vous décrochez. Skip, t'es dernier. Skip, tu fermes bien. Le guide, il se passe quoi? On va voir si ça rebug pas. Faut qu'on avance encore jusqu'au fond du tunnel. Eh bah, en avant alors, let's go. Dès que, bah, dès que 8 et 7 sont prêts, ils vous suivent et... Ah. On prend jusqu'à l'escalier, go. En face, escalier. C'est bon, on est là. T'étais dernier, Shima? Ouais, on t'entend. C'est bon, je suis dernier avec Bernard. Ok. J'ai dit sur nos compés. C'est quoi la suite? La suite, c'est toujours d'aller à la porte. Ah bah. Il faut le garder, donc il va falloir faire un passage. Et dès que ça sera sécurisé au niveau de la porte, j'ouvrirai la porte des étoiles pour vous amener sur ma terre natale. Et puis ensuite. On fera la fête. On fera sûrement pas la fête, puisqu'en ce moment même, il y a des Goa'uld qui attaquent le village de Bratak. Ok, d'accord, bah on va vous aider alors. Allons-y, 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 partons d'ici. On reprend la formation, les gars, on avance, c'est parti, go. On prend l'arrière toujours, on continue de garder l'arrière. Et... Bon, le canyon, comme d'habitude, hein, couvrait un peu. Oula, j'avais pas vu derrière. C'est imposant en fait. J'avais pas vu ça comme ça, moi. Ça c'est ce que j'appelle une structure imposante. Vous direz à Cardi qu'on a trouvé sa daronne. J'aime bien. Ça veut dire qu'on est figé dans la daronne de Cardi. Oh. Je veux pas savoir. Je sais pas où est-ce qu'on est, mais en tout cas c'est stylé. Ah, heureusement qu'on avait un guide, hein, parce qu'on saurait pas où aller dans tous ces cailloux. Tout à fait, capitaine. MDR, on a un GPS. Hein. Ta gueule. Arrête de briser mon immersion, dis pas. C'est attentif, visuel sur l'ennemi en face. Autorisation d'engager, hein, on fonce direction la porte, hein, de toute façon. On décroche à la porte, hein. Allez-y, ouvrez feu, hein. Ouvrez feu, feu avanté, on se dirige vers la porte. Avancez lente vers la porte pour tout le monde, c'est parti en avant. Avancez lente vers la porte pour tout le monde, vous essayez de garder un semblant de ligne. Essayez d'avancer en formation avec tout le monde, hein. Faites un semblant de ligne, avancez en semblant de ligne, c'est parti. On avance pour tout le monde doucement, lentement, et vous gardez un semblant de formation. Il y en a un sur la droite du pont qui est pas mort, il fait des roulades. Traité à gauche aussi, c'est bon, on avance. Non, négatif, à droite il est pas mort, à droite il est pas mort. À droite, il y en a toujours un qui est quelque part. Ah, vous m'avez fait peur, vous avez le même bruit que leurs armes. On a un médecin, tu sais, on a le médecin de SG. Exactement. Je crois que ça a localisation. Nord, nord. De 10 pour tout le monde, ça a l'air d'être sécure, on se dépêche d'aller sur la porte pour tout le monde. Pour toute mon équipe, ça a l'air d'être sécure selon le guide, on se dépêche d'aller vers la porte. C'est bien reçu pour la séquence d'activation. Qui c'est qui doit activer ces guides? C'est Toulak. Information Toulak. Importante de la porte Toulak, il faut que Toulak. Tu sois prêt à partir parce qu'on aura qu'un seul essai pour prendre le Ok, ça marche. Vous êtes prêt et en mesure de partir à la porte dès que je vous dis parce qu'on aura qu'un seul essai, donc Contact Toulak, on devrait y aller. Traité. Tirez, hein, tirez, les gars. On a 20 secondes avant que la porte soit activée, donc tirez tout sur tout ce qui bouge. Hey, active la porte. Préparez-vous à partir, les gars, ça s'active. Attention, ça arrive. Faut passer à la porte, tous à la porte, dans la porte. Go, 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 go.
Go go go. Là j'ai fusionné avec quelqu'un, je sais pas qui c'est. Avec qui j'ai fusionné? Je sais pas. Tout le monde est là dans mon équipe, hein, j'ai dit ça? Citrep? Ouais. Skip, Dian, Dipra. La fille, c'est Jeff. Ah, le guide s'est sacrifié pour nous. C'est confirmé capitaine Toulak n'a malheureusement pas traversé la porte. Churaku n'a pas traversé la porte. Ah, RIP Churaku. Ses dernières paroles étaient de trouver Bratak, qui était notre bienfaiteur, grâce à lui on a été libéré. Pablo, Miguel, venez avec moi, on va voir en haut s'il n'y a pas quelque chose. Tenez position pour tout le monde autour de la structure. C'est vous Bratak? Vous êtes Bratak? Bratak? Bratak, c'est vous? Non, je suis pas Bratak. Ah. Vous connaissiez un certain Toulak ou pas? Oui, c'est mon frère. Il est... Votre frère a... Il dit d'elle make it, en fait. Il travaillait en soum soum. Vous savez, c'est pas très marrant parce que votre frère a donné sa vie pour nous. Ah, il est mort? Il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié pour nous. Il n'y a pas de plus grand honneur que de mourir pour l'être humain. Condoléances. Nous sommes sincèrement désolés. Il nous a sauvés. Vous cherchez Bratak, c'est ça? Oui, nous cherchons Bratak, c'était ses derniers mots. Sa dernière volonté. Vous voyez là-bas en face? Oui. Il y a un village, c'est sa maison. D'accord, bah on va aller au village de Bratak alors. J'ai une très mauvaise vision. Faites attention, on subit des attaques en ce moment de Goa'uld, donc vous pouvez peut-être en rencontrer sur la route. D'accord? D'accord, et le village il est armé quand même? Il y a des défenses au village? Comment ça se passe? S'il y a des tirs, des fois c'est peut-être eux qui sont... Ok, est-ce qu'on doit interpeller quelqu'un avant de rentrer dans le village? Parce que j'imagine qu'ils vont pas. S'il y a des attaques, ils vont pas nous laisser rentrer. Je vais leur dire que vous arrivez, vous inquiétez pas. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. Et bah, on y va. Bonne chance, hein. On fera tout pour les amis de Tilk. Voilà, hein. Tenez bon. C'est pas facile, mais on va y arriver, d'accord? Voilà. Bah, si je peux me permettre, bah, allez, ça va aller, hein. Voilà, hein. Allez. Non mais c'est important parce que faut les soutenir. Dans les bon alors pour info pour que tout le monde sache, on a rencontré le frère du mec qui s'est sacrifié, dont j'ai oublié le nom actuellement. Du coup là on va partir au village. Non il savait pas Esteban. Si c'était Esteban, tu restes certain. Ou alors c'était Pablo. Ou alors il s'appelait Sébastien. Regardez les susboules qu'on fait un château de sable à côté. Hein. Comment ça le susboule fils de pute? Quoi? On sait pas si on va se faire embusquer donc on reste vigilant quoi. Tout le monde vigilant dans mon équipe, ah. Bon bah j'aurais dit fuck it ta vigilance. Ah les conditions étaient pas très respectées. Oula, embuscade. Dispersez-vous. C'est tiré dessus d'où là? Quelqu'un voit les tireurs? Bon allez, go. Restez cachés si vous voulez survivre, restez cachés. C'est très pour toute mon équipe. Ok, Dipra, Shima et Jabs? Ouais, ok, Dipra. Shima blessé. Ok, et Jabs il est mort? Non, j'ai envie. Ok, vous continuez d'avancer sur la gauche de la route pour tout le monde. On sera couvert dans les buissons, on avance. Ok, pour tous les G, on continue d'avancer en dispersé. On essaie de progresser dans bah, la gauche de la route, quoi. Salut? On va sur le campement, comment dire? Enfin, on va sur le campement et on essaie de les sauver. Colonel. Alors pour info, si vous voyez des Jaffa qui sont... Enfin des Jaffa, vous savez à quoi ça ressemble, ils ont pas d'armure en fait. Ceux qui ont pas d'armure, vous les tuez pas. Ceux qui ont des armures, vous les tuez. Alors, en vrai, c'est un peu la merde à reconnaître, hein. What? C'est des pans, ils ont des épées comme les chevaliers ou pas? Non, je crois pas. Attention, allez pas trop à gauche de la route, vous allez prendre plein de tirs. Et trouvez vos cibles et abattez. Sur la droite, à peu près plein sud. Le G7, on en prend plein la gueule du sud-est, ça sort du champ de maïs.
est pin down avec le blessé. Ok, j'en ai eu un. Ouais, c'est reçu, j'en ai vu un champ de maïs. Hey, Axel, pourquoi tu tires en automatique avec ton PA? Oh non, Axel! Ils sont quelque part sur la droite, là. Attention, ils sont en face de toi quelque part par là. Avancer, moi j'ai deux blessés. Il faut tous dans le champ de maïs, les gars. En avant, chargez champ de maïs. Le champ de maïs, go. On va vers la porte principale. Dans la G10, on se dirige vers la porte principale. Tous à la porte principale dès que possible. Porte principale. Ce qui reste des G7 pour avancer sans armure, et on rejoindra après. C'est un aillé, c'est un aillé. La porte principale, on va rentrer. Go, on fouille. Déclinez votre identité, vous êtes qui? Et vous, déclinez votre identité. Eh, on est des aillés. Vous êtes Bartak? Bratak? Ah, putain, je sais plus. Non, c'est notre chef. Suivez le chemin principal, vous le trouverez. Ça marche, merci. Vous voulez qu'on vous laisse des gardes? Normalement, ça devrait être bon, là. Ils réattaquent dans 2 heures, normalement, c'est tout le temps comme ça. D'accord, très bien. En avance, les gars. Avancez, 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 on va voir Brat. Pour info, Bratak, le chef du village, se trouve. Il faut suivre le truc. Ah putain, je marche sur un Jaffa là. Là partout. De G7, on est encore sur le truc avant la porte. Ah, j'ai vu skip, j'ai vu jab. D'accord, ok, chef. Ah, c'est stylé la cascade. Faut suivre le chemin pour trouver Bratak. Alors en haut. Y'a aucune indication. Y'a pas de panneau. Y'a pas de panneau. Ah, c'est là-bas. Tu sais, ils auraient pu mettre genre vers Bratak, tu vois, non? C'est trop demandé, quoi. Dès qu'on recolle. Je crois que la maison est un peu trop grande, même. Ah, si y'a. C'est vous, Bratak? Ah. vous savez où on peut trouver Bratak? Dans la maison, à l'assaut de la maison. Une armure. Ah, c'est lui, Bratak, il y a une armure. C'est vous, Bratak? Bonjour, c'est vous, Bratak? Vous ne répondez pas tous en même temps. Bonjour. Attends, je crois qu'on a trouvé Bratak, attends. C'est vous, Bratak? C'est vous, Bratak? Oh, what? Bratak, Bratak, revenez! Peut-être que Bratak peut vous communiquer par la pensée. Calmez-vous! Mais voilà, ouvrez la bouche et émettez un son, s'il vous plaît. Ah, je crois que tout le budget est parti dans la coiffure. Je crois que. D'accord. Bratak qui essaie de dire. Faites un geste, Bratak! Vous êtes venu pour avoir de l'aide de Bratak, c'est ça? Oui, on est venu parce que. Un messager nous a dit de trouver Bratak. C'est qui vous a envoyé? Oh putain, comment il s'appelait? Chulak! Et qu'est-ce que vous venez faire ici alors? Vous voulez quoi comme intention? C'est bon, vous m'entendez ou pas? Ah! Ah, messieurs Bratak! Un peu difficile, un problème de gorge actuellement. Ouais, je comprends, ouais. C'est ma bite, elle est trop grosse. Donc, il va falloir évacuer. Comment ça, on vient juste d'arriver, messieurs Bratak? Oui, mais malheureusement, il y a encore les ennemis qui arrivent et vraiment en force. Mais ça va, votre garde il a dit que c'était toutes les 2 heures, vous avez du temps! Il a pas l'air sûr. Ouais. On n'a pas les mêmes appréciations entre les gardes et les seigneurs, je pense. Vous allez devoir évacuer, on va vous fournir 2 vaisseaux. Vous allez pouvoir... Bon, je sais que certains d'entre vous ont eu une petite formation de pilotage de ces vaisseaux. Attendez, comment vous savez ça? Grâce à SG1 qui nous a rendu pas mal de... Ah bah oui, bien sûr, SG1, oui, en effet. C'est pas colonel, concentrez-vous. Bah non, mais ça c'est encore un coup d'onis, ça. Colonel, elle est... Hein? Ah, c'est pas le même de SG1, ça c'est certain, ouais. Bah, c'est pas O'Neill, hein, punaise. Y'a des rafales à couvert, G7. C'est pour ça que c'est SG11. Ok, 10, on a un manque de respect flagrant, là. On va vous amener jusqu'à vos anneaux de transport, qui vont vous amener dans une forêt un petit peu plus loin, où est-ce qu'il y a des vaisseaux qui sont cachés. Non, on a besoin d'un petit coup de main. Par contre, peut-être il y aurait quelques ennemis sur place, mais bon, ça doit être une petite équipe de 4-5 évacuée. Donc après, direction votre planète. Eshima. Bien, j'espère pour vous. Hein, si vous avez T'as vu son maquillage, il a coulé. Donc on va aller jusqu'au Nazno. sortez vos armes, je crois que le guide a détecté quelque chose.
ça a l'air. Oui, là, il y a pas que. Il y a pas qu'un détecteur. Hein. Vous avez quelque chose? Vous avez fait quelque chose? Beaucoup de personnes mettent des choses dans son anus dans ce monde. Vous voyez votre mère, je crois. Tu penses que Braddock il est de type dragon vol? Ta gueule! On suivait le guide. Et protégez Braddock parce qu'on a besoin de lui. C'est bon, il va faire une attaque lance-flamme, il va tout tuer. C'est vraiment où est-ce qu'on va, Braddock? Je sais pas où est-ce qu'il va, Braddock. Braddock, il passe où, Braddock, les gars? Dans le ciel, je crois. Et à l'arrière. Ok, il faut quelqu'un qui surveille au cas où parce qu'on sait jamais. Faut veiller à sa sécurité. On est bientôt arrivé. Je crois que c'est pas loin, mais à chaque fois j'ai du mal à me repérer dans ces forêts. Ah bah ça ne m'étonne pas trop, hein. Ouais, mais... Oh ouais! Embuscade! Dispersez-vous, embuscade! Braddock, utilise l'antitab! Dépêche-toi! Attention, contact avant! Attention! Attention, ligne de feu, cachez-vous! Cachez-vous bien parce que ça tire au lourd là. D'avancer vers le village tranquillement. Je crois qu'on est arrivé sur les anneaux là. Attention, je passe. C'est bon, ça a l'air d'être traité. Hein. Checker les maisons. Les maisons. Ah, c'est clair. Ok. Donc, on a... Ah, attendez pas. Voilà, voilà. Il y a votre map, ma map qui est tombée. Qu'est-ce que c'est? Dans la maison, il y a un mec, il y a. À droite, à droite. C'est bon, il est traité. Bah, on peut dire que vous êtes courageux. Ok, l'équipe AB, vous êtes prêts à partir dès que possible. Bon bah. Braddock? Qu'est-ce qui vous arrive, Braddock? Braddock utilise fer. Braddock? Bon bah. C'est bon, les CV, Braddock est parti. Normalement, là, ces anneaux-là nous amènent à un endroit où il y aura des vaisseaux. Ok. Les vaisseaux peuvent être gardés, donc c'est notre dernière étape avant. Mais est-ce qu'on vous retrouve après que. Une fois que. Parce que là, en fait, il faut qu'on aille dans les. Il faut qu'on aille. Allez tous sur l'anneau. Là, vous avez les deux vaisseaux de transport. Et avec ces deux vaisseaux de transport, vous pourrez passer en vitesse lumière pour atteindre la Terre. Et là, tous les anneaux de. Toutes les portes des étoiles en fait sont piratées. Ok, pas de soucis. Allez sur l'anneau, les gars. Eh ben, dans ce cas-là, je vous remercie. Je ne sais toujours pas comment vous appelez, mais merci beaucoup. La Terre vous est reconnaissante. Esteban. Allez, on y va. On peut passer le portail aussi nombreux? Ouais, go. T'es sûr? Écoutez, la taille de l'être humain, vous savez. Ok, on est là. On est censé faire quoi là? On doit trouver des vaisseaux. On doit trouver des vaisseaux pour s'extraire et passer en vitesse lumière pour aller voir la Terre apparemment. Et faire notre. Ah bah j'ai trouvé des vaisseaux. J'ai trouvé des vaisseaux. Plein nord. Plein nord, t'es sûr? Oui, Afi, deux vaisseaux plein nord. On vous attend dans une carrière. Revenez sur les anneaux et partez plein nord et vous avez une petite carrière. Stand by ici pour tout le monde. Ok, l'objectif, les gars, c'est de prendre des vaisseaux au top, on y va. Ok, on engage. C'est parti, go. Et feu à volonté sur tout ce qui va. Ouais, affi, feu. Attention, prenez couvert. Ligne de feu. Prenez couvert sur l'héroïne. Sur l'héroïne, les gars. On est dans l'héroïne, LG10 dans l'héroïne. LG10, on est dans les ruines. Traitez tout ce que vous voyez, les gars, tout ce que vous. Recharge. J'avance dans les ruines. Ok, j'avance. Putain, on a un mec ici. Attention, ça tape pas mal. Oh bordel. Je touche des
vas-y pas, t'as rien perdu. Tu es bon. Y'a un homme beau, c'est magnifique. Ok, j'en ai eu 3. Quelqu'un a visuel encore sur des mecs en vie? À gauche, des vaisseaux, à gauche des vaisseaux, on a du contact encore. À gauche des vaisseaux, G10. Qui est mort? De 10, on a plus visuel. Plus de visuel non plus, SG7, on est dans le vaisseau 3. Ok, 7 et 8 en avant sur les positions. J'ai besoin d'un médic aussi sûrement. Mon médic est occupé, il est en train de soigner Dipra. Skip, avance sur les vaisseaux. Tous ceux qui m'entendent, Shima, skip, avancez sur les vaisseaux. Je reste avec Dian. Vous checkez les vaisseaux. Checkez les vaisseaux pour tous ceux qui sont pas en train de soigner. Checkez les vaisseaux et assurez-vous qu'ils puissent partir. Ok, c'est reçu. Et évidemment, mettez des pilotes, mettez des meilleurs pilotes qu'on ait quoi. Pourquoi est-ce qu'il ne se relève pas? C'est bon, il s'est relevé. On y va, go. Tout 10, vous embarquez dans le vaisseau qui est à droite, je crois que c'est le... Ah putain, il y a des vaisseaux de droite. Ok, les gars, faut qu'on aille dans les vaisseaux vite, rapidos. Est-ce qu'on a deux pilotes? Est-ce qu'on a deux pilotes? Des gros vaisseaux, des gros vaisseaux. Qu'on fasse vite. Tout mon SG10, vous prenez les vaisseaux de droite si vous pouvez. C'est où l'entrée? Si, à l'arrière. Hop, voilà, me voici. Ah, what? Bah, je suis Dian, viens vite. Colonel, l'autorisation de prendre le chasseur ou pas avec Bernard? Ouais, à droite, c'est bon? Je suis dedans, mais je vois que dalle. Ouais. Ilian! Oui, moi c'est SG10, tout est bon pour moi. Est-ce qu'on peut prendre le chasseur avec Bernard ou pas? Je sais pas, si vous savez piloter, j'en sais rien. Si tu peux, Bernard, tu peux. SG8, c'est bon, Denis. SG10, c'est bon, on est prêt. Et c'est quoi notre trajet? C'est bien d'avoir 7, c'est bon ou pas? C'est bon, on décroche, décrochez. Décollage pour tout le monde. Décollage. Suis l'autre vaisseau au pire. Ouh, c'est marrant, mais il n'y a pas d'option vitesse lumière là. Mais je sais pas, tu te démerdes, je sais pas conduire un vaisseau moi. Il n'y a pas le bouton, chef. Trouve-le. Le chasseur avec nous, c'est Bernard. Ah. Donc on s'est échappé avec deux vaisseaux et un chasseur, c'est ça? Que tout le monde fasse molette et cherche sur putain de vitesse lumière. Et donc deux chasseurs et deux vaisseaux de transport. Ok, c'est bien pris. De chasseurs, de vaisseaux de transport, ok. Moi franchement je pense que Bal il l'a dans le cul, si je lui permets, colonel.